Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes et qui parle des femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de révolution, d'insurrection, d'histoire, de Lumina Sophie, de Saint-Pierre, de Rose, de Frédéric, de 1870, peut-être de 1794. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. Alors, sur le plateau, j'ai deux personnes, comme tous les mardis, mais cette fois, il y a un monsieur, Gilbert Pagot, à ma droite, et une dame, Nadine Elzy, à ma gauche. Alors, je vous promets que ce numéro de femme sera très, très, très historique, n'est-ce pas? On va essayer. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, Gilbert? Oui. Nadie, ça va? Ça va très bien, merci. Bon, en tout cas, je suis très contente d'être avec vous. On enregistre cette émission au début du mois de mai. Et c'est vrai que mai, c'est le mois de l'histoire, on va dire. C'est ça, c'est le mois des mémoires, c'est le mois de l'histoire. Il y a beaucoup de dates. On commence par quoi? On commence par quoi? Le 6 mai. 6 mai, c'est quoi? C'est 6 mai 1853, ce sont les Indiens qui arrivent par l'Aurélie. Oui. Le 8 mai, c'est... Ben oui, c'est l'éruption. Ben oui, c'est l'éruption de la montagne Pemet, l'écrasement de Saint-Pierre. Le 10 mai, c'est quoi? Je sais pas, il y a plusieurs dates. Il y a plusieurs dates. Alors, c'est quoi les tiennes, Gilbert? Bon, il y a au moins la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Voilà, journée nationale des mémoires, de la traite, voilà. Et puis, il y a une autre signification, 10 mai. Alors, il y a Mitterrand, mais bon, il y a Mitterrand, l'arrivée de la gauche au pouvoir, effectivement, en 81, certes. On parle de l'histoire plus ancienne. Donc, 10 mai, moi, ça m'évoque Delgrès. Ah, oui. Ça m'évoque Delgrès. Donc, Delgrès au fort de Matouba. Bien sûr. Et la déclaration. Alors, la déclaration. C'est pas le fort de Matouba, c'est le fort de Basse-Terre. Il se fait tuer à Matouba. Oui, il se fait tuer à Matouba, pardon. Mais la déclaration. Donc, il y a la déclaration et puis il y a la mort de Delgrès. La déclaration. Oui, du 14. Hein. Voilà. Il me semble que c'est le 10 qu'il décide de se révolter. Et il fait sa déclaration le 14 et il est tué le 27. Voilà. Donc, Delgrès aussi. Alors, donc on a dit le 10. Il y a bien sûr le 22 mai. Le 22 mai, c'est aussi Saint-Pierre, d'ailleurs, non? Et puis la révolte, en fait. C'est Saint-Pierre vers le prêcheur. Oui. Saint-Pierre-prêcheur. Est-ce qu'il y en a une autre de date en mai qui, Non, moi, je... L'insurrection du Sud, c'est pas ça, c'est pas mai. Non, c'est plutôt septembre. C'est septembre. Donc, on s'arrête le 22 mai, donc c'est quand même un mois extrêmement chargé. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? On commence par les dames. Nadie. Alors, moi, je suis une vieille dame à la retraite. Mais, certes. je suis auteure, mais je suis documentariste. Mm-hmm. Ça, c'était ma... Et je suis restée très longtemps animatrice culturelle dans le Nord-Caraïbe, en particulier. Dans la ville de Caspilote. D'accord, tu es vraiment du Nord-Caraïbe. Ah, je suis du Nord-Caraïbe. Et tu es passionnée par le Nord-Caraïbe. Et je suis passionnée par le Nord-Caraïbe. Pourquoi? Bah parce que je suis arrivée, j'ai quitté la Martinique, j'avais 7 ans. J'y suis retournée de mon plein gré à 30 ans parce que j'ai dit que je ne pouvais pas vivre ailleurs. Enfin, je croyais que je ne pouvais pas vivre ailleurs, mais c'est vrai, je ne peux pas vivre ailleurs qu'en Martinique. Mm-hmm. Et j'ai commencé à la télévision. Donc, ça m'a permis de découvrir un peu la Caraïbe, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Mm-hmm. C'est là que j'ai le plus travaillé pour la télévision. Mais j'ai adoré connaître ces régions parce qu'elles sont tellement différentes les unes des autres. Mm-hmm. Et puis voilà, quoi. Mais le Nord-Caraïbe de notre Martinique, je suis très attachée. Ben, je suis très attachée par rapport à mes parents. Parce D'accord. Que papa, une histoire familiale. Voilà, une histoire familiale. Mm-hmm. Mon père... Son père était gendarme à cheval parmi les mulâtres, alors que c'était un nègre. Mm-hmm. C'était important. Il est mort, ça lui apprendra d'ailleurs, il est mort très jeune. Mm-hmm. Donc mon père s'est retrouvé seul. Et puis les Surénas. Les Surénas qui sont du Nord-Caraïbe. D'accord. Les premiers Surénas furent des nègres à talons et puis boulangers. À Saint-Pierre, mm-hmm. et puis ils ont continué leurs élans à Fort-de-France. D'accord. Et alors, tu nous viens avec un ouvrage, Récit des îles d'hier, donc Frédéric Mulat de la Révolution, suivi de Rose de la Roxelane. Donc, on est aussi, donc c'est cette époque révolutionnaire. Tout à fait. Entre la Martinique, Saint-Pierre et Paris, mm-hmm. et puis Rose de la Roxelane. La Roxelane, c'est la rivière eh bien, au nord de Saint-Pierre. Donc, on va y venir tout à l'heure. Alors, monsieur Gilbert Pagot.
historien devant l'Éternel en Martinique, oui. Militant politique, culturel, pour l'histoire, vraiment. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, en quelques minutes, hein, parce que ça pourrait prendre des heures et des heures. Non, mais je vais très vite. Elle a dit qu'elle est vieille, moi je suis très jeune. Voilà, et ça se voit que vous êtes tous les deux très jeunes. Et non, bon, j'ai été enseignant, j'ai été... agrégé d'histoire, ancien directeur de l'UFM. Agrégé d'histoire, ancien directeur de l'UFM. J'ai animé la formation des professeurs qui préparaient l'agrégation en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pendant 10 ans. Et puis voilà. Parce que tu étais aussi militant GRS notamment, pourquoi tu as voulu, à quel moment tu as dit je veux devenir prof d'histoire? Est-ce que c'était vocation ou bien c'était quelque chose? Ça a toujours été une passion. Mais pourquoi? À quel moment le truc est venu? Moi, je crois dès enfant. D'abord, peut-être parce que j'habitais les terres Saint-Ville à côté de la pharmacie Lucrèce. Et que le père Lucrèce, celui qui avait écrit un livre d'histoire sur la Martinique, il faisait des rubriques et ce petit livre qu'ils appelaient Histoire de la Martinique, je l'avais déjà. Ensuite, il y avait à côté le journal Le Sportif, qui faisait toujours des articles d'histoire de Gwenaëch, enfin, des gens qui sont morts depuis, de Maurice Nicolas, enfin, etc. Et j'ai toujours aimé l'histoire. Et donc tu as agrégé, tu as fait ta thèse sur quoi? J'ai travaillé sur l'insurrection du Sud, et puis j'ai travaillé beaucoup sur... les femmes et le rôle. C'est ça, donc les femmes et la liquidation du système esclavagiste de la Martinique 1848 à 1852. C'est paru en 1998 chez Ibis Rouge. Et puis donc l'insurrection de Martinique 2011, 1870-1871. On va y venir plus spécifiquement avec un personnage central qui est Lumina Sophie, une héroïne. Donc j'ai fait la biographie. Ouais. Voilà, tout à fait. Histoire tragique de Marie-Philomène, voilà, donc Lumina Sophie, je l'ai dit. Et puis 1848, chronique de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Alors, il y a d'autres ouvrages. L'amiral Robert aussi, la Martinique de l'amiral Robert. J'avais travaillé aussi sur ce qu'on appelait la rencontre des deux mondes, les 500 ans en 1992. Et j'avais sorti un ouvrage dessus. Et puis j'avais sorti dans un comité qui s'appelait le comité de soutien des peuples de la Caraïbe. J'avais sorti plusieurs fois des almanachs sur l'histoire de toutes les îles de la Caraïbe, c'est-à-dire en particulier toutes les colonies qui étaient françaises à l'époque. Puisque ça, on l'oublie, mais dans la Caraïbe, la France a possédé 18 colonies, dont la Martinique était... Sainte-Lucie, non, mais la Martinique était le relais du pouvoir royal. C'est pour ça que Saint-Pierre était une ville extrêmement importante. C'est cela. Pas seulement pour la Martinique, mais pour toute la Caraïbe. C'est à Saint-Pierre qu'arrivaient les convois d'esclaves qu'on redistribuait après entre les îles. Oui, tu voulais Non, j'approfais tout d'accord. Parce que c'est ce que j'ai appris. Et je crois que je l'ai appris par vous. Mais alors, on a l'impression que l'histoire aujourd'hui, c'est un terme, on a l'impression que tout le monde, enfin, en tout cas les jeunes générations, 2020, on a vu des boulonnages de statues, etc. Il y a un besoin d'histoire, mais un besoin de connaissances historiques. Oui. Et du point de vue des historiens, on a l'impression qu'il y a vraiment une appétence ou un appétit particulier pour cette période. Parce qu'il y a eu plusieurs périodes dans notre histoire. C'est-à-dire, il y a eu les Amérindiens, d'ailleurs. On parle peu ou pas assez des Amérindiens. On a l'impression qu'on occulte les Amérindiens. On passe directement à l'esclavage 1635 et puis 1848. Alors qu'avant, il y a eu des civilisations entières de Kalinago, d'Amérindiens. Il y a eu, et alors, dernièrement, j'ai assisté à une de tes conférences, Gilbert. Il est important de parler des chefs amérindiens, Nicolas qui a été effectivement assassiné en 1658, qui a provoqué la guerre de Fonds-Saint-Jacques, des choses, tu parlais de faïence, on ne parle pas de ces gens. C'est vrai. Et alors, je viens petit, enfin, large détour, mais cet appétit, on a l'impression qu'il est exclusivement pour finalement la rencontre des colons et puis l'esclavage en fait, non? Oui, parce que le problème qui existe pour toutes les générations, c'est pas propre à la Martinique, mais tous les pays qui ont connu la colonisation et l'esclavage, il y a maintenant, plusieurs générations après, une remontée mémorielle, pas forcément historique, mais mémorielle, c'est-à-dire que les gens font remonter leur ressenti. Oui. Ils font remonter
ce qui les répulse, mmh. ce dont ils ne veulent pas mmh. dans le passé. Et puis, il y a même un petit peu l'idée que, ah, si c'était nous, on n'aurait pas accepté ça. Oui, ils réinterprètent l'histoire, ils font de l'anachronisme. Oui, je n'aurais pas employé le mot réinterprétation, mais je crois qu'il ne faut pas confondre histoire et mémoire, même si la mémoire, c'est extrêmement important. D'ailleurs, les gens, quand ils parlent d'histoire, ils parlent de commémoration. Oui. Ils parlent d'anniversaire, etc. Mm-hmm. Donc, on revient toujours à l'idée mémorielle. Nous allons fêter les... Par exemple, nous allons fêter l'arrivée des Indiens à la Martinique le 6 mai 1853. Mm-hmm. Nous fêtons ça. Oui. Alors, oui, c'est, oui. Et là, c'est tous les ressentis, y compris on a été méprisés, etc. Et ça remonte aussi. Ça remonte, mais ce que je veux dire, en fait, ce sur quoi je voulais insister, quand je parlais notamment des Amérindiens, des chefs amérindiens, une histoire d'ailleurs qui est épique, quand tu racontes Nicolas, effectivement, comment mais il mais était. Mais avant Nicolas, il y a. Il y a Kayerman. Kayerman, c'est un personnage extraordinaire, il a vécu jusqu'à 120 ans, on dit, etc. Mais ce sont des personnages dont on ne parle pas. Oui, parce que ce que je veux dire, et je voudrais avoir votre avis, toi aussi, s'il te plaît, Nadie, on a une focalisation sur le comment dire, même si ça, effectivement ça a duré longtemps, l'esclavage, c'est-à-dire cette confrontation blanc-noir, tu vois. Oui. Alors qu'il y a eu les Amérindiens, ils ne sont pas tous morts, d'ailleurs ils ne se sont pas suicidés comme on nous a appris. Il y a eu les Amérindiens, il y a eu effectivement les Africains bien entendu, il y a eu les colons qui ont joué leur rôle, enfin, donc, il y a eu les Indiens d'Inde qui sont arrivés, il y a eu les Congos, il y a eu les Chinois, il y a eu etc. etc. Mais il y a cette focalisation. Pourquoi il y a cette focalisation? Alors, moi je dirais que, enfin, moi, alors, mon ressenti, puisqu'on va parler de ressenti, c'est qu'on n'a pas envie de, on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de... Enfin, moi, je suis née avec des parents, j'ai passé mon enfance en Europe, à Paris précisément, et on n'abordait jamais, pourtant, Dieu sait si mon père était un fendu de politique, hein, et qu'il connaissait toutes les indépendances des pays d'Afrique, on abordait... jamais la Martinique. Hein? On n'abordait jamais ce sujet. Et je crois que ce rapport, justement, esclave, blanc et noir, on n'en parlait pas. Oui. Donc il y a cette remontée, donc, finalement. Il n'y a pas cette remontée. Et pour aller un petit peu plus loin, je me souviens, j'étais en train de me souvenir de ça, quand j'ai vu le document hier soir, un documentaire hier soir, ma grand-mère, qui était une très belle personne, qui était très foncée, avec des yeux gris. Et elle aimait à dire, mais moi, pas jamais, mes parents, moi, pas été esclaves. Hein. Oui, voilà, il y avait ce refus-là. Donc aujourd'hui, il y a cette volonté de savoir, quoi, c'est ça. Oui, mais j'aurais modifié, j'aurais nuancé un peu, en disant que pourquoi la remontée se fait précisément sur les afro-descendants, c'est parce qu'ils ont été les plus nombreux. Et qu'ils ont représenté à un moment 80% de la population. Et même quand les autres groupes ethniques sont arrivés, ils sont restés très nombreux et ils ont estimé, c'est le ressenti, ils ont estimé que ces coulis qui arrivaient, alors le terme coulis est un terme naturellement méprisant, hein, les Indiens qui venaient, que les Chinois qui venaient, que les Congos qui venaient casser leur travail. Oui. Et donc ça a créé cette idée que, en fait, le groupe afro-descendant n'a jamais été reconnu. Oui. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément que tu dis, ça s'est passé dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rejet de toute la période difficile. La période difficile. Les gens n'aiment pas raconter. Moi, quand j'ai travaillé sur l'insurrection du Sud, alors je me souviens, j'ai commencé à travailler sur ça en 1968 ou 69. J'étais tout jeune. J'allais interviewer des gens qui étaient des enfants directs des insurgés. C'est-à-dire que leur père ou leur mère avait fait partie de l'insurrection. Eh bien, ils ne voulaient pas en parler. Aujourd'hui,
quand vous allez voir les petits-fils, alors tous ils veulent en parler. Oui, mais non. Et ouais, ils racontent. Ouais. Et ils racontent du mémoriel qui, quelquefois, il faut vérifier. Oui, voilà. C'est du mémoriel, voilà. Alors, c'est pas... oui. Justement, quand tu parles de cette insurrection, alors du côté du Carbet, la révolte du Carbet. De 1822, c'est ça ? 1822, voilà, j'ai fait une conférence sur ça. Voilà. Mmh. Eh bien, les 200 ans. Ce qui me frappe, moi, j'habite au bout de la rue, hein, parce que j'habite à la Jus. Hein, donc l'habitation Bali est non loin. Ce qui est frappant, alors je ne veux pas faire de politique, mais je sais que nombre de fois qu'on a demandé de faire un petit livret sur cette affaire, hein, que tu avais écrit des choses, il y avait des traces, eh bien la municipalité n'y tenait pas du tout. Alors ils ont accepté, alors, en tous les cas, au moment du bicentenaire, parce que j'ai fait une conférence là. Oui. Et il y avait des gens du Corbet. Bon, oui. Il y avait des gens d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de monde. Hein. Non, mais c'est resté. Non, mais je suis d'accord, parce que j'étais là quand tu as fait la conférence. Mais je veux te dire que jusqu'à ce que tu viennes, j'étais très étonné. Il y avait quelques réticences. J'en avais fait une aussi à l'époque de. Comment il s'appelait le courrier La Ferronnée. Ah, La Ferronnée, oui. Et il m'avait invité, oui. Alors, JB, en deux mots, on ne va pas s'étendre sur la révolte, mais en deux mots quand même, du Carbet 1822. Dis-nous quelques mots sur ça. La révolte du Carbet, bon, je ne vais pas pouvoir la raconter là, trop long. Mais l'intérêt de cette révolte, c'est que ça va marquer un basculement. Mm-hmm. Avant 1848. Avant 1848. Mm-hmm. C'est-à-dire que jusqu'à 1822, il y avait une réticence des libres de couleur à venir aider les esclaves. Les libres de couleur se battaient pour l'égalité avec les blancs, mais pas forcément pour la libération. Pour la libération. Mmh. Au point que, au moment de la révolte du Carbet, beaucoup de libres de couleur sont venus dans les milices pour écraser les esclaves. Mmh. Ce fut le cas, par exemple, de Bicêtre. Cyril Bicêtre est venu. Et puis, sauf que l'année d'après, ils avaient sorti une brochure où ils demandaient l'égalité, on les a mis en prison, et pour leur montrer qu'ils étaient moins que les Blancs, on les avait traités comme les esclaves, c'est-à-dire en les marquant au fer rouge, etc. Mm-hmm. Donc, et c'est là qu'il y a une espèce de déclic où beaucoup de libres de couleur réalisent que s'ils veulent l'égalité et être avant, eh ben, il faut qu'ils se battent aussi avec... les esclaves. Ok, on fait un petit break là avec Focus. On va rester dans cette ambiance. On écoute, jingle. Voilà, je vous ai promis que cette émission serait essentiellement historique et moi je suis ravie, vraiment ravie de vous avoir sur le plateau. Je voulais qu'on fasse, comme c'est une femme et que toi tu as travaillé sur les femmes et que cette émission s'appelle Femmes, je voulais qu'on fasse un petit focus sur Olympe de Gouges, qui est une femme de lettres, qui est considérée comme une des premières féministes, qui est une femme qui a été à l'origine de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui n'a jamais été appliquée dans la foulée de ce qui s'était passé en 1789. Donc elle a écrit ce texte en 1791, mais elle n'a pas très bonne réputation. Elle passe pour être une courtisane. Il y a quelques scans et extraits de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Est-ce que c'est un personnage que tu connais un petit peu, de loin ? Je la connais de loin, mais j'ai surtout ce qu'on dit, que c'était quelqu'un, c'est une femme qui s'imposait. Et puis libre. Très libre. C'était d'abord une femme libre, mais pour l'époque, c'était très, très, très mal vu. Tout à fait. Et le fait qu'elle ait des idées un peu avant-gardistes, à la fois sur la femme, mais... Et même sur le monde noir, hein. Oui, bien sûr. Ça dérangeait beaucoup. Elle est née le 7 mai 1748, pardon. Elle était mariée par ses parents à l'âge de 17 ans, à un homme de 30 ans son aîné. Et après, donc, elle est venue à Paris. Elle était courtisane. En tout cas, elle en avait la. Elle n'était pas courtisane. Elle n'était pas. Non, mais elle n'était pas courtisane. Elle a eu cette réputation-là. Bon, mais c'était une noble. C'était une femme noble. Mm-hmm. Elle avait les moyens
de vivre, etc. Mais c'était une grande intellectuelle, voilà, et qui était très ouverte sur ce qu'on appelle les idées des Lumières. Elle était partisane de l'abolition de l'abolition de l'esclavage, et elle était en relation avec d'autres féministes anglaises, en particulier Mary Wollstonecraft, hein, qui avait elle aussi écrit des documents, et elle a participé à fond à la Révolution. Elle a écrit donc Zamor et Mianza, donc qui est devenu Qu'a changé, parce que ça a été adapté à la Comédie française, donc qui est devenu L'esclavage des nègres. Elle a, ça n'a pas duré très longtemps la pièce, hein. La pièce a été assez vite retirée, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Après, elle a écrit Le marché des Noirs en 1790, et puis Réflexion sur les hommes nègres. Donc elle était abolitionniste, clairement, oui, et donc en avance sur son temps. Oui. Et elle était partisane des droits de la femme et de la citoyenne, et par conséquent, elle réclamait le droit de vote. Et elle disait que si la femme a droit à l'échafaud, elle a droit aussi au pupitre. Tout à fait. Non, elle avait... C'est une femme extraordinaire. Qui a milité vraiment activement. Alors, l'occasion peut-être de dire, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a un débat, abolition, libération, enfin l'abolition, donc 27 avril versus 22 mai ici, mais bon, l'abolition, le thème de l'abolition, au-delà même des intellectuels qui militaient comme Schellcher ou d'autres qui ont milité, le petit peuple, si j'ose dire, je ne parle pas de l'Hebdo Gouges, hein, mais le petit peuple français, dans la campagne française, très tôt avec les cahiers d'oléances, oui, demandait l'abolition. Oui. Certains villages. On a parlé beaucoup de Champagné notamment. Champagné. C'est un fait, ça. Oui, c'est un fait, c'est évident. Mm-hmm. Mais là, parce qu'on avait affaire à des gens qui eux-mêmes étaient très opprimés. Voilà, les ouvriers de Paris. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'esclavage avait été aboli en France depuis la fin du Moyen-Âge. Et que lorsque on a commencé la colonisation des Amériques, le roi très chrétien Louis XIII était très embêté, parce que vu que ça n'existait pas l'esclavage en France, c'était difficile au nom de la religion catholique d'aller mettre des gens en esclavage, etc. Donc ils ont fermé leurs yeux très hypocritement, ils ont accordé... le droit, et pendant tout le XVIIe siècle, c'est-à-dire même après la création du Code noir, lorsque un esclave rentrait en France, il était immédiatement libéré. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans ce livre. Alors, ça me permet de faire le lien avec Récit des îles d'hier, donc Frédéric Mulâtre de la Révolution, qui vit en Martinique, qui est esclave. Oui. Enfin, qui est bien traité, hein, quand même. Il est esclave, mais il se trouve quand même qu'il est un fils illégitime. Ah, tu n'as pas dû dire ça, tu dévoiles, tu spoiles, là, ton bouquin. et lorsque son maître décide de l'emmener en France, lui-même et Sada ne sont plus esclaves. Parce qu'en France, quand on arrive en France, on n'est pas esclave, il n'y a pas d'esclave. À la date de la Révolution, ça avait déjà changé. C'est-à-dire ? Non, parce que c'est vraiment tout le XVIIe siècle, on interdit ça. D'accord. Mais au début du XVIIIe siècle, on modifie le Code noir. D'accord. Pour introduire des lois. Y compris sur la terre de France. Y compris sur la terre de France. D'accord. On commence à modifier, etc. Okay. Et il y a toute une remontée du racisme. Qui se fait là. Pourquoi tu as écrit donc l'histoire de Frédéric ? J'ai travaillé fort longtemps avec Ina Césaire. Enfin, je ne t'ai pas dit que je faisais du théâtre. Hein. Oui, tu es dramaturge. Voilà, je ne t'ai pas dit cela. Et ce Frédéric, nous avions une conversation extrêmement bouleversante et animée. Et j'ai voulu, moi, écrire un personnage, parce que je vous ai dit, hein, je ne connaissais rien à la Martinique, je suis arrivée à la télévision, je n'en connaissais encore moins rien, c'est vraiment la télévision qui m'a fait découvrir mon pays, hein, et ce personnage, peut-être aussi à cause, parce que j'ai un garçon, j'ai un fils, et j'ai eu envie d'écrire quelque chose comme ça. J'ai un fils métis et c'est pour ça que j'ai voulu écrire cette histoire. En tout cas, c'est vrai que l'histoire passe aussi... Ça t'amuse, Pourquoi ? Non, j'écoute avec beaucoup d'attention. L'histoire passe aussi par ça, par la fiction en réalité. Faire passer, voilà, ça passe aussi les nouveaux modes en fait. Non, mais c'est pour revenir un petit peu sur ce qu'elle dit. Ce qui se passe au moment de la Révolution, c'est vraiment
le petit tournant qui ne va pas durer longtemps, il date de 93. D'accord. Lorsque la France est attaquée par tous les États européens, oui, ce qu'on appelle les coalitions, etc., et que l'armée française souffre, et d'abord déjà en Europe, mais qu'elle n'a pas les moyens de défendre les colonies, parce que les Anglais, eux, ont des troupes et envahissent toutes les colonies françaises, les 18 colonies françaises, dont la colonie française de Saint-Domingue, qui deviendra Haïti. Et à ce moment, ce sont les révoltes d'esclaves qui combattent les Anglais. Mmh. Et en septembre 93, pour avoir le soutien des esclaves, le gouverneur français accepte l'abolition de l'esclavage qui lui est imposée. Et à ce moment, en France, on se rend compte que, mais c'est intéressant ça, cette histoire, que les esclaves peuvent nous aider, et donc ils vont faire voter le décret du 4 février 1794, ce qu'on appelle le 16 pluvieuse en deux, où on abolit pour la première fois l'esclavage. Sauf que ici. Sauf que ici. Pas oui. Alors, ça a pris du temps. Oui. En fait, aucune des îles ne l'a vu tout de suite. Parce que les Anglais ont occupé partout. Sauf que toutes les colonies françaises, il était difficile de les défendre. Et le seul endroit où ils ont vaincu, c'est en Guadeloupe. Mais alors, la Guadeloupe ne l'a pas connue tout de suite, l'a connue à la fin 94 avec Victor Hugues. Oui, voilà. Par contre, toutes les tentatives de libérer les autres colonies françaises, c'est-à-dire Sainte-Lucie, Tobago, Grenade qui avait été colonie française, Saint-Vincent et Trinidad, Marie-Galante qui était séparée de la Guadeloupe à l'époque, parce qu'il y avait un gouverneur de la Martinique, de la Guadeloupe, et un gouverneur de Marie-Galante. Et Saint-Martin, toutes ces îles-là, eh bien, qui étaient françaises, eh bien, ne pouvaient pas connaître cette abolition de l'esclavage. Et c'est là que ceux qui avaient fui la Martinique, en particulier Delgrès, puisque la Martinique avait été occupée par les contre-révolutionnaires, eh bien, ils se sont tous retrouvés en Guadeloupe pour combattre. Et donc, on retrouve en Guadeloupe non seulement les Guadeloupéens, mais Delgrès, mais Marie-Rose Toto, qui est une Sainte-Lucienne, mais qui... Et tous ces gens-là se battent avec le drapeau bleu-blanc-rouge pour combattre les Anglais et les Espagnols. Voilà, ce sont les révolutionnaires. Oui. Ce sont les révolutionnaires. Mais ici, le fameux traité de Whitehall, oui, de 1793, c'est quoi ce traité ? C'est un traité qui a été passé entre les béquets de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Domingue, et en particulier Dubuc, hein, qui va en Angleterre et qui négocie avec le Premier ministre, avec William Pitt, et le roi d'Angleterre. Il y a une alliance, ce qui prouve d'ailleurs la puissance économique des béquets, la puissance économique de Dubuc, et il passe un accord au cas où le pays devient révolutionnaire et se range à la Révolution française, les béquets disent « nous sommes d'accord pour livrer le pays ». Et ils ont donc livré la Martinique, ils ont livré Saint-Martin, ils ont livré toutes les colonies. Et il n'y a pas d'abolition. Il n'y a pas d'abolition. Ok. Jingle, mot de femme, on continue notre discussion. Nadie a une question à poser à Gilbert. C'est vrai que quand on a un historien sous la main, on a envie de le presser comme un citron. Je suis prêt de dire, pourquoi est-ce que les Hollandais sont arrivés jusqu'à Saint-Martin ? Eh bien, parce que pendant la colonisation, il y a 5 grands pays qui ont mené la colonisation au départ. Les 5 grands pays, c'est l'Espagne et le Portugal, d'abord les deux premiers, puisque le pape avait partagé entre deux, et puis à ce moment, il y avait quand même 3 autres pays qui sont arrivés après, qui ont dit, mais enfin, c'est pas normal, comment peut-on avoir tout donné? Alors, il y a le fameux mot de François Ier, il dit, je n'ai pas vu le testament d'Adam qui m'exclut du partage, et il décide qu'il va... Et donc, les Anglais... les Anglais, mais avec d'autres peuples à côté, à savoir les Gallois, les Écossais et les Irlandais,
Je dis ça bien parce qu'à l'époque, ils ne sont pas unis. Mm-hmm. Vous avez Anglais, vous avez Écossais, vous avez Gallois, vous avez Irlandais. Ceux-là décident qu'ils doivent faire partie des... Ils sont membres des îles britanniques. Ils doivent... Et puis, il y a surtout les Hollandais qui sont, à l'époque, ça, on ne le sait pas, on l'oublie, mais c'est la puissance la plus importante sur le plan commercial. Mm-hmm. Ce n'est pas n'importe qui. Mm-hmm. Hein, les Hollandais et qui viennent en Martinique. D'ailleurs, on les retrouve chaque fois. Au début, il y a des révoltes d'esclaves ou des révoltes d'Amérindiens, mm-hmm. etc. Ce sont souvent les Hollandais qui viennent aider les Français ici. Mm-hmm. Oui, attends, oui. Je voudrais, moi, on va revenir à la Révolution. Je voudrais qu'on parle de Lumina Sophie. On passe d'une époque à une autre. Hein. On est 1794, ouais. On fait la passion 1848, ouais. On arrive directement à 1870. Ouais, je voudrais qu'on donne la parole à Lumina Sophie, héroïne donc de l'insurrection du Sud, septembre. Raconte-nous un petit peu, en quelques mots, tu fais des conférences sur ça. C'est vraiment cette femme, depuis quelques années, tu as écrit sur elle, est reconnue comme étant une des héroïnes martiniquaises. Qui est-elle? Elle a mené cette révolte du Sud, dans quel contexte? Elle est une de celles qui a mené. C'est bien. C'est une fille d'esclave, mais qui, alors d'ailleurs, en employant les termes, vous savez qu'aujourd'hui, les historiens ne disent pas esclavisés. Les esclavisés. Mise en esclavage. C'est les gens mis en esclavage. Elle est donc petite fille de Reine Sophie, elle est fille de Zulma Sophie, et elle naît en 1848. Mm-hmm. Elle naît en 1848, d'ailleurs c'est très intéressant, elle naît en novembre 1848, c'est-à-dire au moment où l'esclavage a été aboli, mais en fait elle a été conçue sûrement en février-mars 1848, au moment où on a encore un esclavage. Oui. D'ailleurs, tout le monde se demande si c'est pas pour cela que sa mère l'a appelée surprise. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'elle est conçue dans l'esclavage, mais elle naît libre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'elle grandit dans toute une période où on a juridiquement aboli l'esclavage, mais très tôt, quelques mois après, et même deux ou trois années après l'abolition de l'esclavage, on essaie de revenir sur tous les acquis de 1848. Je ne vais pas les énumérer tous, mais par exemple, il n'y a plus l'esclavage, mais on introduit le travail forcé, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller travailler. Mmh. Ou bien on introduit le passeport, c'est-à-dire si vous habitez Casse-Pilote, ben vous ne pouvez pas aller à Fort-Royal, puisque à l'époque, Chelchia n'existait pas, hein, c'était Fort-Royal. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas aller à Fort-Royal si vous n'avez pas une autorisation de votre patron. Hein, une autorisation. Il y a des restrictions. Ou bien on établit un impôt qui vise uniquement les gens qui avaient été esclaves, ce qui est une discrimination. Oui, oui. Ou bien on fait une des lois de justice où les peines ne sont pas les mêmes selon qu'on soit blanc ou selon qu'on soit noir. Et en particulier, si on est condamné à 5 ans de prison, mm-hmm. Si on est noir, on est condamné à aller au bagne. Par contre, si on est blanc, on continue à faire sa prison ici à la Martinique. Donc, toute une série. Mm-hmm. Et puis, l'autre élément que les anciens esclaves n'ont pas accepté, c'est qu'en 1848, on avait créé des écoles gratuites pour les enfants d'esclaves. Elles étaient gratuites et ouvertes. Et très vite, on va supprimer ces écoles en disant que les nègres qui ouvre de gros yeux. Tel comme on en apprend, hein, on ne sait pas. C'est formidable. Au point qu'en 1870, lorsque Lumina a 22 ans au moment de l'insurrection, les chiffres montrent que le taux d'analphabétisme en Martinique est plus fort qu'en 1848. Tu te rends compte. Il est plus fort qu'en 1848. Et alors, quel est son rôle? Donc, alors, il y a une espèce de... Il y a l'étincelle. Donc, c'est Lubin qui est cravaché par Roger de Maintenon, un blanc de France. Codé, monarchiste, se vante d'avoir fait condamner Lubin. La Troisième République proclamée le 22 septembre 1870. Mais elle, quel est son rôle? Elle est une chef de bande. D'accord. Là, ça pète, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Elle est une chef de bande. Mm-hmm. Et l'intérêt de parler de Lumina Sophie, que j'ai utilisé, je prends le mot utilisé en mettant des guillemets,
mais pour représenter toutes les femmes. C'est qu'en oui. fait, mmh. lorsqu'une révolte est importante ou réussie, elle n'a de chance de réussir que si les femmes y participent. Mmh. Si vous avez une révolte où les femmes ne participent pas, ce n'est pas... Mais c'est la même chose pour les grèves, c'est la même chose pour les mouvements. Je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe en France pendant les 4 mois qui viennent de se dérouler, mmh. ben, quand vous regardez les manifs, moi je regardais avec attention, vous avez plus de femmes que d'hommes. Alors, mais à fortiori, à cette époque-là, parce que la femme n'était pas considérée, elle était non. méprisée, elle était surdominée, on va dire. Exactement. Donc comment arrive-t-elle à se frayer un chemin jusqu'à la première ligne? Mais c'est là où il y a une espèce d'explosion, hein, où les femmes sortent de leur... Du fait de qu'elles leur domination. Ont été écrasées mmh. et créées. Alors, c'est le cas de ce qu'on a dit tout à l'heure pour Olympe de Gouges. Oui, oui, c'est au oui. moment de la Révolution. Oui. Bon, vous savez qu'au moment de la Révolution française, lorsque le roi avait décidé de quitter Paris, du moins de rester à Versailles pour diriger, eh bien, ce sont les femmes françaises oui, qui, en octobre 1789, mmh. sont montées aller chercher le roi, la reine et le petit Mitron pour les ramener à Paris. Mais, ce sont les femmes parisiennes. Mais précisément, est-ce que dans le, comment dire, dans cet environnement, parce qu'il y a l'époque, okay, mmh. Est-ce qu'elle est considérée comme une égale dans ces insurgés du Sud? Est-ce qu'elle vole la vedette à quelqu'un? Parce qu'il y a tel gars, il y a lui tel gars, il y a l'autre Eugène Lacaille. Elle vole à la fois la vedette, mais en même temps, elle s'impose. Mmh. Elle vole la vedette dans la mesure où elle est chef de bande et que, d'ailleurs, on va la condamner pour ça. Oui. On va la condamner. On va la condamner dans tous les arguments. On ne la condamne pas pour être chef de l'insurrection. On la condamne parce que elle avait l'affront de commander à des hommes. Mmh. Et puis on la condamne parce que lorsqu'elle brûlait les cases, elle avait dit en particulier d'une case de Biquet, qu'elle brûlait, enfin, elle disait, mais ça aurait été la case de Dieu que je l'aurais brûlé moi-même, elle le dit. Et là, on la condamne pour blasphème. Hein, incendiaire, blasphématrice. Oui, hein, mm-hmm. qu'elle est une... Voilà. Et elle a été condamnée, donc elle est condamnée au bagne, elle est enceinte d'ailleurs. Oui. Elle meurt où? Elle meurt au bagne, en 1879, 3 mois avant... l'amnistie qu'on a mm-hmm. accordée aux insurgés. Alors, est-ce que tu as quelque chose à... Non, j'écoute avec intérêt. Est-ce que, alors, moi j'ai une question qui est peut-être complètement anachronique, mais je la pose quand même. Pourquoi cette révolte, et même d'ailleurs 1848, c'est la libération. Alors, mais je viens à 1870. Pourquoi cette révolte ne débouche pas sur une remise complète, une remise en question complète du système? Pourquoi ces personnes qui sont dominées, qui voient qu'ils sont discriminées, pourquoi ça ne se traduit pas par un rejet de la France? Pourquoi ça ne se traduit pas par une volonté d'émancipation complète? Alors, il y a des légendes qui disent que les gens se battaient pour l'indépendance. Bon, d'ailleurs, c'est l'argument du tribunal militaire. Bon, moi, tous les documents que j'ai vus, et tout là, ce n'est pas vrai. C'est pas ça. Les gens se battaient contre les béquets ici. C'est ça, oui. En estimant que s'ils étaient assimilés à la France, qu'au moins que ça aurait été une protection D'accord. contre les béquets. Mais ils n'ont jamais eu envie de dire non à la France, quoi. Ben, mais ils étaient contents qu'on... Oui. En 1848, on l'oublie, mais les décrets du 27 avril, non seulement disent abolition de l'esclavage, mais on dit vous êtes citoyen français maintenant voilà. et que vous allez voter. C'est-à-dire des gens qui étaient considérés pour moins que rien jusqu'en mai 1848, et bien au mois de septembre, et bien on leur donne le droit de vote et ils élisent leurs députés. Hein, ce que les Béquets ne comprennent pas, parce qu'ils représentent plus de 80% de la population. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a jamais eu cette aspiration. Donc les gens, alors c'est quelque chose qui aujourd'hui est rejeté, mais l'idée à l'époque, c'est que plus on devenait français, plus on avait la chance. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est encore passé en 1946. Ce désir de France, quoi. Même les gens qui se battaient pour la négritude, etc. et tout, eh bien... vote. Mais César, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, 19 mars 46, c'est ça. On devient. Voilà. Il demande à devenir. Assimilation, oui, français oui. En
disant que grâce à ça, on va pouvoir s'opposer. Et c'est un sentiment. Et puis l'égalité aussi, et rattraper. C'est un sentiment de classe. Oui. C'est-à-dire que les gens estiment que là, maintenant, nous sommes protégés contre les colons, etc. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Donc ce personnage, Lumina Sophie, tu n'as jamais encore écrit sur Lumina Sophie ? Non. En mode romancé, je veux dire. Non, je n'ai jamais, mais tout d'un coup, j'en ai envie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est ce sentiment, justement, parce que la France, c'est loin. Oui. C'est loin. On a devant nous les béquets. Enfin, je parle de cette époque. Oui. On a devant nous des béquets. Et on a devant nous non seulement des béquets, mais même les affranchis. Les affranchis, il y a des noirs et des blancs, si tu veux. Et le fait d'être reconnu pour être des êtres humains, c'est déjà une chose exceptionnelle. Oui. Et je crois que ça a beaucoup joué, le fait qu'on soit égaux. Mm-hmm. Et je crois que c'est le sentiment que ça me fait. Non seulement le fait que ça soit égaux, mais c'est les éléments de l'histoire, interprétés oui. aussi. Oui, interprétés. Parce qu'il faut toujours comprendre que l'histoire, quelquefois, est interprétée par les gens. Mm-hmm. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, le discours politique, moi j'ai eu beaucoup de bons amis qui sont morts, etc., leur discours politique, c'était quoi ? Ils te disent au monde, la première révolution, c'est la République qui a proclamé l'abolition de l'esclavage. C'est la République qui a proclamé la liberté pour les libres de couleur. Ensuite, ils disent, en 1830, eh bien, c'est à ce moment où on a supprimé, par exemple, ce qu'on appelait les discriminations professionnelles, ou bien les lois somptuaires, ou bien le fait que lorsqu'on était nègre, on ne pouvait pas porter le type de cire ou de dame, etc. C'est la République qui a supprimé ça. Et puis enfin, en 1848, c'est la République qui a fait de nous des libres et qui a fait de nous des citoyens français. Ah oui, et puis enfin, en 1870, lorsqu'on proclame la République et que la République est proclamée définitivement en 1875, à nouveau, on fait de nous des citoyens français pour les anciennes colonies. Donc les gens avaient gardé dans leur tête cette idée que, en fait, tout ça nous permet, or en face, c'est le progrès, quoi. Ici, or en face, à tous ces moments-là, les colons étaient contre. Mmh, oui, bien ils sûr. Étaient bien sûr, absolument bien contre. Quelle est l'attitude des mulâtres à l'époque, en 1870 ? Est-ce que là, il y a. Oui, est-ce qu'il y a une convergence ou bien. Ou est-ce qu'ils sont du côté de la classe dominante ? Il y a un décrochage. Une petite partie des mulâtres, des bourgeois. Bourgeoisie de couleur, comme ça s'appelle. Du sud a rejoint. L'insurrection. D'ailleurs, quand on prend les personnages, par exemple comme Lubin, pas Lubin, pourquoi son nom ne vient pas ? Celui-là, il a été envoyé en Nouvelle-Calédonie. Ça va revenir. C'est incroyable que son nom ne vienne pas. C'est, parce que c'est un personnage extraordinaire. Mm-hmm. Et il meurt en 1902 en Nouvelle-Calédonie. J'oublie. Ça va revenir, on ne peut pas t'aider, on va chercher de l'autre côté. Et puis, il y a aussi Pomponne, il y a aussi Édouard Victé, il y a plusieurs qui sont des petits mulâtres du bourg de Rivière-Pilote, ou bien Daniel Bolivar. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est une réforme municipale. D'accord. Que les Noirs soient mieux représentés dans la municipalité, etc. Et qu'on reconnaisse, par contre, la bourgeoisie de Fort-de-France ou de Saint-Pierre est opposée à la révolte. Voilà. Sauf que, une fois que la révolte a été écrasée, juste au moment où la révolte a été écrasée, c'est-à-dire à la fin septembre, puisque la révolte n'a duré que 5 jours, ils disent au gouverneur, écoutez, maintenant que vous avez écrasé la révolte, il faut ramener tout de suite un certain nombre d'égalité. Et comme on institue le suffrage universel, eh ben ils gagnent des élections puisqu'ils ont la majorité, et ils gagnent des élections, et la première chose qu'ils font, ils rétablissent en 3 ans les écoles primaires dans toutes les communes de la Martinique, il y en avait 20 pour les garçons et les filles. Ils prennent une loi pour interdire l'arrivée des coulis, des Indiens, ils disent bon, parce que ça ne va pas. Ils combattent, ils demandent, ils font annuler
l'arrêté Guédon, qui était de travail forcé, ils prennent tout ça, et ils se présentent comme étant les adversaires absolus des colons. D'accord. Oui, oui, hein, oui, oui. Donc, il y a une double attitude. Mm-hmm. Une évolution de leur attitude. Non, une double attitude. Ils sont contre l'insurrection, mais ils sont pour l'intérêt. Alors, ils sont exactement sous la position d'un homme qui s'appelle Schœlcher. Schœlcher, en 1848, est pour l'abolition de l'esclavage, mais en 1870, Schœlcher condamne l'insurrection du Sud. D'accord. Hein, il condamne l'insurrection du Sud, mais voilà. Okay. Donc, alors, on poursuit, on continue le saut, et je voudrais que tu nous parles de ton deuxième récit, Rose de la Roxelane. Oui. Là, donc, on est encore un événement de mai, là, c'est plutôt le 8 mai. Oui. 1902, moi j'aime bien la chute. Hein. Ah, on avait peur pour eux, mais finalement, donc ils vont peut-être. Donc c'est voilà. Quoi, pourquoi, d'où vient l'inspiration? C'est l'histoire de cette ville pauvre, hein, et de ces quartiers pauvres de Saint-Pierre, où la situation en 1902 est dramatique. Oui. Notamment cette année 1902, où le port est dévasté par les mauvais temps, mais vraiment, vraiment dévasté, où... on donne pas sur les habitations. Il y a pas de travail. Il y a pas de travail. Comment il s'appelle, Gabriel. L'amoureux de Rose ne trouve pas. Il est docker. Il peut pas bosser. Voilà. Je le dis comme on dirait aujourd'hui. Mais il parlait pas comme ça. Et Rose est lavandière. Il y a de très belles scènes. Elle décrit avec moult détails, si tu veux, le travail de ces femmes dans la rivière. Oui, oui, oui. C'est très joliment écrit. Alors, donc, raconte-nous. Il y a ces deux jeunes gens qui vivent, qui n'ont pas de famille, de toutes les façons. Rose est de l'assistance publique. Hein, elle a passé tout son temps dans son enfance dans l'assistance publique. Elle a depuis peu un travail de lavandière. Et son amoureux, il vient des Mornes, mais il y a longtemps qu'il a quitté les Mornes parce que c'est un révolutionnaire. Il dit en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment les choses sont liées, hein, parce qu'il ne se satisfait pas de la situation. Voilà. Il dit qu'il trouve pas de travail, que c'est un monde trop inégalitaire. Le monde est trop inégalitaire. Il est révolté contre la vie de Saint-Pierre. Ouais, ouais. Il est révolté contre cette vie riche. D'un côté, et où les petits crèvent de faim. Et il dit, moi, je ne reste pas. Et elle dit, si tu voulais être raisonnable, tu pourrais travailler chez Monsieur Untel. Ah oui, surtout, il ne fallait pas lui dire ça. Parce que Monsieur Untel, c'est le béquet du coin. C'est le béquet, et ça, il ne le supporte voilà, pas. Voilà. Il ne veut plus être assujetti à l'esclavage. Et il décide, dans sa tête, qu'ailleurs, ce sera mieux. Voilà. Et alors, je veux juste dire, parce qu'on ne va pas dévoiler tout, ça se lit, donc je vous invite vraiment à le lire. Hein. C'est très joli, vraiment, c'est bien écrit, ça se lit facilement, et puis ça nous projette en mode, c'est une fiction, hein, mais dans un univers. Tout à fait. Et on a besoin de cette écriture romanesque, en fait. Donc, l'esté de son trait, donc c'est chapitre divination. Lesté de son trait, débordant d'une lessive, Rose avait pénétré l'eau, pieds nus, vêtue d'une simple chemise de corps, les reins ceints d'un carré de madras. Le bruissement de l'onde accompagnait ses pas, et dans l'obscurité traquée par le jour et la clarté naissante, chaque goutte du torrent se transformait peu à peu en cristal mouvant. On est dans un moment où tout est possible. Quelque chose va se passer, l'éruption vraisemblablement, il y a cette espèce de montée dramatique, donc à la fois dans le contexte, mais à la fois dans l'histoire entre Gabriel et Rose, quoi. C'est-à-dire que quand tu vis dans le Nord Caraïbe, tu as vraiment ces sensations. Quand tu te promènes dans la rivière, quand tu vas sur la rivière des Pitons où je me promène, je vois vraiment ces gouttes, je vois vraiment ces matins qui sont des matins romanesques. Oui. Hein, avec une description qu'un peintre pourrait décrire. Hein, c'est vraiment cela. Voilà, on n'a pas fait le tour de la question, mais il nous reste juste 3 minutes. Alors, juste une petite seconde, le nom, c'est Villard. Hein, Villard. D'accord, ça fait 10 minutes que j'ai bien en train de chercher. Ça qui bouge là. C'est Villard, qui est Auguste Villard, qui est Villard, un personnage. Villard. Et c'est lui qu'on condamne en disant que c'était lui le chef de l'insurrection. C'est Villard ou Villard?
Villa. Alors, on dit les deux. Villa, parce qu'en créant les villas, et les juifs écrivent Villa. D'accord. Alors, donc, vous allez trouver son nom, Villa. Je ou bien vous allez trouver Villa. Okay. Auguste Villa. C'est lui chef de l'insurrection. C'est lui que l'on condamne comme étant le chef de l'insurrection. Et Telga, Alors, Telga, c'est un grand chef militaire. Oui, Telga. Louis Telga. Oui. Mais on aime, pour l'expression, on aime bien « Ichtelga », ça veut dire « un enfant impossible ». Mais je reviens juste une petite seconde, parce qu'on n'a plus de temps sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand il lui dit de ne pas travailler. C'est un petit peu le récit que tu as avec Yuma de l'Afghan Yuhern, qui raconte un petit peu la révolte du 22 mai, et qui, Yuma, qui est la servante gentille, etc., qui se fait brûler, et son copain, qui lui… et révolutionnaire, etc. C'est raconté par. Mais voilà, elle ne connaît pas Yuma. Qui a vécu à Saint-Pierre, puisqu'il est venu. Non, mais mon Yuma, enfin, ma Yuma, j'ai des souvenirs, c'est une fille qui a été brûlée et qui est partie en Guyane. Et il y a une très très belle histoire en Guyane de Yuma. Bon, il nous reste 2 minutes, on ne va pas parler du 22 mai, on va le faire dans d'autres occasions, et on l'a fait déjà. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas fini, Non, mais question rituelle dans cette émission, quel est l'homme qui vous a le plus marqué? On a parlé de femmes, l'homme dont du tout voudrait parler, Gilbert, l'homme le plus... L'homme, le grand homme, le petit homme, l'homme. Dans l'histoire de la Martinique? Non, dans ton histoire, l'histoire de la Martinique. C'est une question de fin de mon émission. Quel est l'homme? Tu réfléchis, Moi, je l'ai. Quel est l'homme? Vas-y. Moi, c'est mon mari. Ah oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Hubert. Hubert. Et on est mariés depuis 39 ans. Voilà. Et c'est l'homme de ma vie, mais c'est l'homme qui m'a ouvert à la vie. D'accord. Et alors, quel est l'homme à qui tu voudrais rendre hommage? Ça peut être un grand homme. Non, j'ai un ami qui est mort depuis, mais que j'aimais beaucoup parce que c'est un très grand philosophe, j'estimais. Il s'appelait Daniel Ben Saïd. D'accord. Il n'est pas très connu, mais c'est un grand philosophe. Et qu'est-ce qu'il a il a réfléchi à quoi, notamment? Eh bien, beaucoup à l'histoire, et en particulier aux légendes, et en particulier, il a réécrit, par exemple, l'histoire de Jeanne d'Arc. Mais il a travaillé aussi sur les mythes de la Révolution française. Il a beaucoup travaillé aussi sur ce que c'est qu'être militant et ce que c'est qu'être reformer une société, etc. Et je trouve qu'il a des idées, en tous les cas, qui me plaisent beaucoup. Daniel Ben Saïd, jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission, un goût de pas assez, bien entendu. On voudrait rester plusieurs journées avec notre historien national, Gilbert Pagot, et puis Nadine Elzy, qui nous a présenté, parlé donc, des récits des îles d'hier, donc Frédéric Mulâtre de la Révolution, suivi de Rose de la Roxelane. Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi, Gilbert? Merci. Merci. Et puis que les gens... connaissent un peu l'histoire de la Martinique, de la Caraïbe et des femmes, quoi. Oui. Le mot de la femme. Oui, je vais dire un peu ce que vient de dire Gilbert Pagot, que les gens connaissent l'histoire l'histoire du pays, l'histoire de la Caraïbe. Ils sauront mieux en eux. Voilà, et puis il y a des livres. Tu en as écrit un paquet, et il y en a d'autres. Il y a des sites aussi internet qui sont très bien. Moi, il y en a un où je vais assez régulièrement, c'est thèses.fr. On a accès des fois à des thèses dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la géographie. Enfin voilà, c'est assez passionnant. Donc, il y a peut-être une question de médiatisation, ce qu'on essaie de faire, mais les supports sont là. De plus en plus, et les historiens nous aident à réfléchir, à penser notre identité martiniquaise, caribéenne. Et puis, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femme avec des personnes, des hommes et des femmes tout aussi inspirants et extraordinaires que ceux que nous avions aujourd'hui avec nous. Merci, à bientôt, bye bye. Femme. Femme.